Bonsoir. Ben, merci d'être encore là, alors que beaucoup de gens sont partis déjà. Et puis merci à nos intervenants. J'ai pas pu réfléchir à ce que je dois dire maintenant parce que j'ai écouté tout le temps. Si ça avait été ennuyeux, ça m'aurait facilité la tâche. Ça n'a pas été le cas. J'ai trouvé toutes ces interventions vraiment en plein dans le thème qui avait été défini par les organisateurs et tout à fait intéressante et puis nouveau pour moi. Alors, moi j'ai découvert une chose dont j'étais pas tout à fait conscient, c'est la dureté du métier de journaliste, hein, et l'irruption du web, ça devait déjà pas être drôle avant, mais l'irruption du web a rendu ce métier impossible au sens propre et immédiat du terme. C'est-à-dire que je suis pas sûr qu'il y a plutôt sans doute moins de gens qui gagnent leur vie maintenant dans le journalisme scientifique que dans le passé. Enfin, ça se durcit. Et malgré de gros efforts pour faire du neuf, pour être dans de son temps, pour suivre l'évolution des habitudes, des usages, de la clientèle, du public. C'est vrai que Camille Coco nous a fait un portrait de cette diversité des usages par le public et de la façon dont certains établissements étaient arrivés à s'en emparer de ces différents moyens. Et alors que Olivier Lascar nous a décrit comment Science et Avenir arrivait finalement avec un certain succès à se dédoubler, quoi. C'est-à-dire qu'à fabriquer deux journaux, trois journaux à partir d'un et préparer un avenir où il y aura certainement des titres papier parce qu'il y aura toujours des gens pour acheter du papier, des titres électroniques parce que manifestement il y a une demande du public pour ne pas avoir de papier. Mais sans qu'on ne soit certain de la viabilité économique de la chose. Mais bon, c'est dur d'être journaliste. Je crois que je ne trahis pas le propos de Nicolas Revoy quand je dis ça. Et Villani nous l'a répété. Hein. Il a énormément interagi avec des journalistes de tous les médias possibles et imaginables. Et c'était aussi une constante, toujours tenir compte de la pression énorme qui pèse sur cette profession. Et bon, donc ça veut dire que nous, scientifiques, on doit en tenir compte, et c'est finalement, c'est ça que Villani nous a dit. Hein. Mettez-vous dans la peau d'un journaliste avant de lui adresser la parole. Hein. Et je crois que c'est une bonne leçon, mais je pense que son intervention était pleine d'autres leçons, certaines qu'il a mises par écrit. Il a donné une référence à un texte sur Images des maths que je recommande à la lecture. C'est un bon moyen d'apprendre le métier. Moi, j'étais un petit peu surpris de voir qu'il y a des gens qui nous regardent. Hein. C'est-à-dire que, enfin, il y a Big Brother et Big Brother est là, derrière nous, à nous surveiller. Alors, Big Brother, il s'appelle Suzanne de Chevigné. Il s'intéresse vraiment à la façon dont la science communique. Et elle est venue avec des informations précises, statistiques, avérées, et dont il faut tenir compte de façon impérative. On ne s'adresse pas, on croit, même nos ministres, nos politiques nous disent que ça y est, il faut aller bien en tête dans le numérique. Mais attention, ce n'est pas vrai. Le numérique ne concerne pas tout le monde. Et il ne faut pas l'oublier. Et plein de choses qui nous paraissaient évidentes, par exemple sur la joie qu'a le public à faire la connaissance d'un vrai chercheur en os, ben non, c'est pas évident. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, d'informations que son regard de sociologue apporte aux scientifiques qui voudraient s'adresser au public. Ça s'ajoute aux commentaires de Cédric Villani. Hein. D'un côté, on a une expérience personnelle, d'un autre côté, on a une vision plus charpenté, hein, de sociologue.
Bon, puis un autre Big Brother, c'est le communo. Comment on appelle ça? Le berger à moutons, le berger de communauté web. C'est un métier, hein, c'est un nouveau métier maintenant. J'ai l'impression qu'il y a déjà plusieurs universités, grandes écoles qui emploient à temps plein quelqu'un pour gérer des communautés internes ou externes, s'assurer que ce qui circule sur le web concernant l'institution ne dérape pas, intervenir juste au moment crucial. Et puis il y a des gens comme Sophie Mahou qui a un regard, qui fouille vraiment à l'intérieur de ces communautés, mais s'aperçoit qu'en les écoutant, eh bien, on en extrait du contenu qui est intéressant. Hein. Et ce que moi j'ai retenu de son intervention, c'est l'importance d'écouter. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que moi je suis arrivé ce matin avec l'idée, on va nous parler de la façon dont on fait passer des messages, du contenu scientifique. Et aujourd'hui, on nous a finalement parlé très souvent au contraire, de remonter d'un public, d'une communauté, faire remonter de l'information. Alvarez s'est demandé comment avoir davantage de commentaires, comment faire pour que nos lecteurs s'expriment et participent davantage au processus. Et puis, Camille Coco nous a décrit plusieurs procédés pour créer de l'interaction entre, par exemple, une institution et une communauté. Et des usages rigolos, des méthodes rigolotes, enfin, que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Donc, finalement, c'est ça que ça change, le numérique. Hein. Bon, ça fait longtemps qu'on en parle, ça. Hein. C'est l'interaction. C'est la nouveauté qu'on n'avait pas tellement avant, c'est qu'on peut savoir, on peut savoir ce que le lecteur, ce qu'il a perçu, capté, ressenti. Ce qu'il en pense, les gens discutent entre eux, éventuellement ses critiques. Bon, quand Villani nous disait, on n'évalue pas la vulgarisation parce qu'on ne sait pas faire, ben, d'accord, tant qu'on n'a aucun retour de la part du public, mais maintenant, c'est plus comme ça. Hein. Il semble qu'on ait des quantités de moyens d'avoir un retour et une participation du public, et donc à terme. Des outils pour porter un jugement et évaluer le travail de vulgarisation, ce qui peut-être va apporter une solution au problème qui était posé par Michel Lanot. Comment prendre en compte et bonifier enfin, l'implication des chercheurs dans l'activité vulgarisatoire. Voilà. Bon. Mais moi, tout ça, c'est un. J'ai une question, je vais peut-être la poser à Michel Lanot. À quel âge on passe du statut de jeune con au statut de vieux con? Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Non, tu. Voilà. Donc là, j'ai Il n'y a pas d'âge, Il n'y a pas d'âge. Merci. Tu me rassures. Donc, je pense que je suis dans la branche vieux con depuis des années, finalement. Hein. Ça s'est passé insensiblement. Et puis voilà, un jour, on est de l'autre côté. Bon. Et c'est vrai que vous voyez ma naïveté, quoi. J'entends des choses, je découvre des tas de choses. Et puis, évidemment, des gens plus jeunes que nous, des étudiants, un étudiant de L3 même. Un étudiant de L3 qui vous dit qu'il a déjà présidé une fédération nationale d'associations de ceci, cela, et qui maintenant pilote avec d'autres ce blog qui a des ambitions quand même faramineuses, enfin, considérables, qui nous parle d'activités, de bisounes et tout ça. Enfin, c'est phénoménal, quoi, de voir à quel point cette génération montante, elle va faire de ces outils. Un usage que nous, on n'arrive même pas à imaginer. Ce qu'ils nous ont montré, ce sont des enfants. Ils nous montrent ce que font des enfants. Mais imaginez ce qu'ils vont faire après avec ça.
Donc, je pense qu'on pourra. C'est une question qui m'a été posée pendant la pause café. Est-ce que cette journée, ça a lieu à intervalles réguliers? Là, je pose la question à Daniel Bideau qui va nous répondre. Est-ce que tous les 2 ans, la SFP organise une journée sur sciences et médias? On y pense. Voilà. SFP. Voilà. Parce que je pense que Comme dans ça passe. 2 ans, il y aura encore des choses à dire sur le sujet, des choses qu'on n'a pas dites, qu'on n'a pas soupçonnées aujourd'hui. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, merci de votre attention. Je repasse la parole à madame. Merci. Bon, merci. Et puis je crois qu'on n'a pas encore remercié les sponsors, donc il faut le faire. On a eu INRIA qui est intervenu aussi dans l'organisation, et aussi le CNRS, l'Institut de maths et l'Institut de physique, et puis le CEA. Voilà, donc il faut les remercier, et on vous remercie aussi tous d'être là aujourd'hui. On remercie ceux qui nous ont filmés et ceux qui étaient à l'accueil. Merci à tous.